bien encore une belle journée tous à vélo qui est dans la continuité de Paris-Nice avec beaucoup de familles, beaucoup de stands également où les familles justement peuvent venir voir avec les associations maurepasiennes ce qui s'y passe au niveau du vélo, voir aussi pour faire du réglage, faire également des activités telles que le BMX où le parcours est fort intéressant par rapport au Paris-Nice où en 2015 c'était un circuit au niveau du stade qui était plat avec des bosses et une structure artificielle. Là il y a une structure artificielle mais avec des pentes dédiées à l'infrastructure du centre-ville, donc c'est vraiment intéressant au niveau du sport mais aussi pour tous les amateurs de BMX et comme moi des gens qui sont complètement novices, mais c'est vraiment vraiment une expérience riche. La journée Tous à vélo, c'est une journée qui doit permettre à chacun et à chacune de se réapproprier la ville avec son vélo, justement. L'avantage, c'est que c'est une activité qui est accessible à tout le monde. On a tous dans notre garage un vélo qui sert plus ou moins. L'idée, c'est de le sortir, de venir faire les parcours encadrés par nos associations en toute sécurité sur les pistes cyclables de la ville et de profiter de cette belle journée. Alors je m'appelle Bruno Guasconi, j'habite à Maurepas, je suis membre du CTM, le club des cyclotouristes de Maurepas, et c'est avec plaisir à chaque fois qu'il y a une manifestation sur le vélo à Maurepas que je participe en amenant quelques-uns de mes vélos anciens, comme là vous avez sur le stand du CTM, trois vélos assez antiques parmi les quelques 130 vélos de ma collection. Donc ce vélo est un Grand-Bi, Grand-Bi c'est la contraction de grand bicycle. Ça nous vient plutôt d'Angleterre, c'est pour ça qu'on parlait de bicycle, de bicycle. Chez nous on parle de vélo, qui est la contraction de vélocipède. Voilà, donc vous avez une grande roue parce que vous pédalez sur la roue avant, directement sur la roue avant. Donc en fait la taille de la roue donne le développement. Ici pour une roue de 52 pouces, 1m34, ça vous fait un développement de 4m15, qui est un développement moyen pour une bicyclette d'aujourd'hui. C'est bien, c'est intéressant, c'est sympa. En plus, c'est le premier run and bike qui a lieu sur Maurepas. Donc voilà, le beau temps, il est avec nous pour l'instant. Donc voilà. Alors ben, c'est très bien, c'est la première fois, mais c'est certainement à refaire. Et sinon, concernant la course de bike on run, c'est une course très difficile, aussi bien en course à pied qu'en vélo. Bah, je trouve que c'est une bonne initiative de permettre à tous les Maurepasiens de pouvoir se retrouver autour de différentes animations du vélo. C'est un mode de transport qui n'est pas forcément tout le temps utilisé, donc pensez à l'utiliser. Et le run and bike, c'est un type d'épreuve qui est assez sympa à réaliser à deux, donc je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. On est allé courir tous les dimanches matins depuis le début de l'année. Pas forcément dans cet objectif-là, mais du coup ça va nous servir. Et par contre pour le vélo, on n'est pas trop prêt. On verra. Surprise.